Ah mince, j'avais oublié ça. Oh là là. J'ai cru que c'était tout ce qu'il y avait, mais j'ai complètement zappé qu'il y avait les autres. Bon. Ah, il faut un code. Ok, d'accord. Faut un code. On peut pas. Ah, attends. Voilà, c'est déverrouillé. Je vais pouvoir y aller. Attends. D'accord, ça c'est des documents. Je vais pouvoir y aller maintenant. Ah, pas ici, c'est où déjà? Ah non, c'est là-bas. Elle est encore en vie? C'est la seule en vie en tout cas. Ah, les photos. Go ahead. Make yourself at home. Merci, merci, hein. Je voulais d'abord voir ce qu'il y avait avant de te parler. Don't mind me. Nice suit. Used to have one just like it. Cool. Ok. Ah, c'est quoi ça? Ah, une photo. Une photo de nature. Ok, bon, on va parler. Are you human? Sarah Lindwall. Payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda, the abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And, I'm the only living person you've met? You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. I just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Salak! Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. I still can't believe I'm the last one. It's crazy. I'm glad you came by. Good to get this over with. If I knew you'd come, I would clean this place up a little bit. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this.
D'accord. Bon. Bah, attends, avant de faire ça, je préfère voir si j'ai besoin de ton aide pour autre chose. Be my guest. I got no secrets worth keeping. C'est lui contre Vexter. Non. C'est parce que maintenant j'y viens. Ah. Je peux pas y aller. Bureau de clé. De clair, je veux dire. Non. Non. Voilà, c'est bon. Ouh, attends. Retour, serrure de porte. Ah là, je peux y faire aussi. 2708. Ok, merci. Déverrouillé. Attends, hop, photo. D'accord, des membres qui étaient là. Bon alors, c'est pas qui c'est. Non, corrompu. Partiellement récupéré. Provision. Liste exhaustive des produits chimiques et composés courants disponibles à Pathos 2 qui pourraient vous maintenir en vie en situation d'urgence. Manuel expliquant comment nourrir par voie intraveineuse des collègues inconscients ou plongés dans le coma. Méthode permettant de libérer de l'espace pour accueillir une charge utile supplémentaire après la construction du coffrage et le départ de Delta. D'accord, c'est bon. Désolé. Would you stay with me, please? It won't be long now. Just please just stay. Je peux pas le pas. Crazy thing this was. Life. Je peux pas m'approcher plus. Mais c'est pas possible. Désolé. Nanoc is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Pathos. Liked my colleagues, Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there to the stars. Elle est morte ou pas encore? Elle est toujours en vie. La black box est inactive. Probably found a way to switch it off. D'accord, elle est morte là. Normalement, ça aurait, fait, ça aurait dû faire tu. Mais bon, là, il n'y a pas eu. Ok, cool. Voilà, j'ai récupéré l'arc. Ah, attends, faut que je la pose là-dedans. Attends, commun. Non. En bas. Bon, là-bas c'est ouvert, donc on va voir d'abord. Donc s'il y a dedans. Rien.
véhicule. Un plan, je crois que c'est de l'arc ou non, pas l'arc. Ça ressemble à autre chose. Hop, désolé. Journal. J'espérais voir Omicron aujourd'hui. L'évacuation ordonnée par Theta a été une aubaine, un prétexte pour quitter Alpha et abandonner le Haut. Mais alors que la tempête se calmait, on s'est retrouvé encerclé par des monstres créés par le Haut. Ils nous ont tendu une embuscade et nous ont obligés à nous replier vers Tau. Glasser, Kovski, Coetzee et moi avons survécu. Mais Auclair et l'infirmière et l'infirmerie nous, dans un état critique. Et dans un état critique, je veux dire. Coetzee, je sais pas quoi, a décidé de partir à la recherche de nourriture en zone d'observation. Impossible de sortir, c'est trop dangereux. Autant que de sortir acheter des cigarettes en plein ouragan. Elle est revenue avec quelques miettes. On savait tous qu'il n'y avait rien. Je crois qu'elle voulait juste avoir une chance de mourir sans emporter la responsabilité. Des gens du plateau sont venus, des ingénieurs de Theta qui voulaient utiliser le canon spatial Omega pour lancer quelque chose qu'ils appelaient Arc. C'est un monde artificiel qui transporte les scans cérébraux d'employés de Pathos 2. L'idée est folle, mais intéressante. Nous avons tous accepté de faire un scan avant afin de pouvoir faire partie de cet au-delà. Quelques ingénieurs de filles sont revenus. Apparemment, ils ont retardé le lancement de l'arc. Ils étaient tous d'humeur massacrante et refusaient de répondre franchement à nos questions. À l'exception d'un point très important. Ils voulaient tous rester à Tau pour en savoir plus sur le projet Arc. Mais ils avaient prévu de remonter avec le Climber, je sais pas comment on pourrait dire, dès demain. Il fallait que quelqu'un prenne le Climber pour prévenir Omicron de ce qui se passe. Heureusement, Glasser et moi sommes en mesure d'accomplir cette mission. Je vais enfin pouvoir prévenir Dale et Sarang de la situation critique du site Alpha. D'accord. Enregistre. The pattern has stopped evolving. The WoW has managed to find balance. I convinced SSE Volchek to turn off all external control systems, making the WoW our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Okay. Since the comet crashed a few days ago, January 12th, the WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties. It's keeping climate and life support going. But it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. Okay. The WoW has started to grow physically. It's not just the core chamber. All around Pathos 2, structure gel is bursting through the pipes and bleeding through walls. I don't know what WoW could possibly stand to gain from this, but I assume it is intentional. D'accord. The heart of WoW has claimed such a large part of the core chamber that there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but also its own physical manifestation within the world. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Where is the line drawn for what is human and what is not? Would walking corpses do? Would a group of machines thinking they're human be acceptable? We can't trust a machine to know, to understand what it means to be. We have to terminate the WoW project. It can be done. I just need to get some help from Omicron. Okay. Bon, bah voilà. Ça c'est fait. C'est un plan. Enfin, un plan. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est ce qu'ils ont récupéré.
quand il se développe, ça, non? D'accord, d'accord. Alors, je regarde s'il y a des trucs à récupérer, mais non. Bon, bah, on en sait un peu plus en tout cas. On va descendre. Et on va se terminer ici. Hein. Parce que là, ça doit être l'épisode le plus long que j'ai fait de Soma là. C'est ici. Ah, mais il est là. Voilà. Là. Ça lag un peu là. Je vais faire là. Séquence interrompue. Impossible de stabiliser la pression. Je dois faire quoi là? C'est bien beau là, je peux pas sortir en plus. Voilà. C'est bon ou pas? Ah, je dois tous... Il y en a d'autres. Il y en a d'autres? Là, j'ai pas vu. Bon bah, en tout cas moi, de toute façon, c'est ici que je vais vous laisser. On va reprendre dans le prochain épisode. Likez la vidéo avec un gros pouce bleu si ça vous a plu. Partagez avec vos amis. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouverai dans un nouvel épisode. Ciao, ciao. Because I know I'll kill my enemies when they come.